Like a bullet train. Moving like the speed of sound. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Project NFS numéro 10, c'est Skyline 35 et aujourd'hui nous attaquons à la célébrissime Ford GT. Donc vous l'aurez bien compris que la Ford GT sera au cœur de cet épisode qui lui est totalement dédié. Mais avant de décrire la Ford GT, il est obligé de parler de son 1907, la Ford GT 40. La Ford GT 40 est une voiture de sport du constructeur américain Ford qui a été fabriquée à 126 exemplaires de 1964 à 1968. Elle a permis à la firme américaine de remporter entre autres les 24 heures du Mans à 4 reprises successives entre 66 et 69. L'appellation GT40 vient des initiales GT, de la catégorie Grand Touring, donc le Grand Tourisme en traduction française, complété par le nombre 40 pour signifier sa hauteur de caisse qui était de 40 pouces, qui correspond à 1m02. Apparemment ils n'avaient pas trop d'idées, alors bon, s'ils veulent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, d'un coup, Ford a décidé d'aller envoyer une monstrueuse voiture aux 24 heures du Mans? Et bien en réalité, il s'agit d'un froid entre Ford et Ferrari. Et oui, car à l'époque, en fait, Ferrari avait des grosses difficultés financières et Enzo Ferrari avait décidé de mettre en vente la marque. Tout allait bien, Ford avait dépensé des millions de dollars pour acquérir Ferrari, quand tout à coup Enzo a décidé de ne plus vendre la marque car le contrat de Ford stipulait que plus aucune Ferrari ne pouvait pouvait participer à certaines courses et donc ça a fâché Enzo qui a refusé tout simplement à tout annuler d'un coup alors que tout allait se vendre. Et oui, l'histoire a failli être bien plus différente que celle qu'on imagine chez Ferrari. Et donc dans l'histoire, Henry Ford II, que c'est évidemment le petit-fils de Henry Ford premier, on va dire, et donc était très très déçu et surtout voulait se venger de cette queue de poisson que devenait faire Ferrari alors qu'ils allaient acquérir l'une des plus célèbres marques d'Europe, et a donc décidé de simplement faire participer une monstrueuse voiture au 24 heures du Mans et ainsi montrer à Ferrari que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Je vois pas trop intérêt, mais bon, mais pas tout. Hein. Et oui, la vengeance peut parfois faire des choses assez étranges à certaines personnes. Et donc au final, Ford va contacter trois constructeurs britanniques plus ou moins grands, donc Lotus, Lola et Cooper. Et finalement, c'est le designer anglais Eric Broadley
propriétaire de Lola Cars, qui sera retenu pour concevoir la GT40. La première GT40 est terminée le 1er avril 1964. Oui, le 1er avril, hein, c'est... Non, enfin, c'est surtout pas ce que je pense. Et donc, deux exemplaires sont prêts à temps pour les essais préliminaires du Mans qui se sont tenus le 16 et 17 avril 1964. Donc, quelques semaines après. Et devinez quoi ? En fait, ils ont détruit une voiture et l'autre, ils l'ont plus ou moins gravement endommagée. La raison est simple, la voiture décolle à haute vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'appui, ou en tout cas il est très mal réparti. Et du coup, bah, à haute vitesse, la voiture est totalement instable et part un peu partout. Ce qui a fait deux beaux prototypes, de la tôle froissée, en tout cas ce qui en reste. Mais rien n'est perdu pour autant, et la participation en 1964 des GT40 va bien avoir lieu, grâce à l'équipe de Carroll Shelby qui va corriger ses malheureux défauts et va rendre la voiture praticable sur les circuits. Ainsi, entre 1964 et 1965, les GT40 vont participer à de nombreuses épreuves, dont les 24 heures du Mans, et malheureusement ne vont pas aboutir, malgré deux versions, la MK1 et la MK2, donc sur deux années successives, mais aucune n'arrivera à terme de l'épreuve et Ferrari remportera à chaque fois l'épreuve. En revanche, à partir de 1966 jusqu'à 1969, Ford frappe fort en battant à chaque fois les Ferrari, là où on pensait qu'elles étaient imbattables. Ainsi, bon, même si parfois il n'y avait qu'une ou deux voitures qui arrivaient à terme, Ford a quand même fait un gros coup de force à Ferrari, et même le changement de règlement de la FIA en 1968 va carrément faire retirer Ferrari de l'épreuve, volontairement hein, bien sûr, car ils ont décidé de boycotter l'épreuve. Et donc Ford va simplement profiter de cet magnifique avantage pour exposer au grand jour sa Ford GT40 pour la troisième fois successive sur les 24 heures du Mans. Et donc en 1969, la GT40 MK1 de 4 litres 9 remportera la dernière épreuve des 24 heures du Mans auquel ils ont participé devant une Porsche 508 de 3 litres à peine quelques secondes. Et la deuxième, une deuxième GT40 arriva et termina 3ème 4 tours arrière. Malheureusement sur 5 GT40 engagés, il y a eu quand même 2 abandons. Hein. Mais bon, c'est quand même meilleur qu'au début où ils ont carrément engagé pas moins de 6 GT40 et aucune arrivée. Voilà, nous avons correctement résumé l'épopée des Ford GT40 et nous pouvons maintenant faire un bond de 50 ans dans le futur, enfin dans le futur à partir de 1960, pour arriver à la Ford GT. Et vous allez voir que la tâche des ingénieurs de Ford a été rude quand ils ont décidé de faire revenir à la vie ce monstre du sport auto dans une toute nouvelle voiture qui est donc la Ford GT actuelle. La Ford GT fut produite entre 2003 et 2006. Les designers s'inspireront de la GT40 qui est donc très célèbre en voiture de course que nous venons de voir. Et au design, eh bien franchement, pour ceux qui ne s'y connaissent pas beaucoup, c'est vrai que les similitudes sont flagrantes. La production verra le jour en 2004, il s'agit d'un véhicule de haute performance, à deux places, dont le design ressemble à son ancêtre, avec un niveau de performance équivalent. Le moteur en position centrale est un V8 de 5 litres 4 suralimenté, produisant tout de même 550 chevaux à 680 Nm de couple. Sa vitesse maximale était limitée électroniquement à 330 km/h, mais on peut supposer qu'elle montait quand même au moins 30 à 40 km/h au-dessus. Au premier regard, la GT est très similaire au modèle original, la GT40. Mais elle est plus grande, plus large, de 3 pouces, donc elle faisait 76 mm, et plus haute que l'original qui faisait donc 40 pouces, donc ce qui lui avait donné son nom. Donc pensez à l'appeler la voiture donc GT43. Peut-être, vu qu'il y a 3 mm de plus, mais les premiers exemplaires de la Ford GT ont gardé ce nom sans prendre le 40 ni le 43. C'est une voiture d'ailleurs qui a été vendue extrêmement chère et qui est un véhicule plutôt rare tout de même de nos jours. Au niveau des performances, on avait un 0 à 100 en 3 secondes 3, selon des magazines, même si certains annonçaient 3 secondes 7. On va se baser sur un 3 secondes 3, on verra bien ce qu'on a dans Need for Speed. La vitesse maximale bridée à 330, et dans Need for Speed, elle est respectée d'ailleurs, vous verrez bien. Et donc l'estimation de la consommation de l'essence est tout de même sympathique, hein. On a du 20 litres en ville, du 12 litres au 100 en vitesse constante, même si je pense que là il faut carrément s'appeler Chuck Norris pour réussir à consommer si peu. Et sur autoroute, il y avait tout de même une moyenne qui était de 17 litres au 100. Bon, autant dire qu'il faut quand même être abonné aux stations d'essence, hein. Mais bon, ça, il ne faut rien y faire. Et le magazine Top Gear l'a comparé
en testant face à la Ferrari F430, en rappel du bon vieux temps face à la guerre entre Ferrari et Ford. Et c'est la GT qui a battu la F430, qui est pourtant une très très bonne voiture. Passons à la Ford GT in-game, que vous pourrez trouver à Callahan Unistrual, Headside Downtown, et pour finir à Replace Point. Et pour une fois, je vais faire simple et vite, et directement enchaîner sur les parties des épreuves qui sont, je pense, les plus attendues par la plupart d'entre vous, ainsi que le classement final. Allez, on se lance ça. Commençons par le classique, mais très efficace, parking test de cette Ford GT. Donc vous allez voir que je m'attendais, c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus mauvais, c'est un bon chrono, vous allez voir. Donc vraiment c'était un beau run, j'aurais peut-être pu gratter quelques millisecondes, mais au final, dans le tableau final, j'avais vu que ça servait à rien de gratter quelques secondes. Et c'est sûr qu'il y a quelques millièmes en tout cas, il y a quelques endroits où j'aurais pu aller un peu plus vite. Déjà vous remarquez que la voiture dérape pas mal, le dérapage ça plaît pas trop à la Ford GT, ça on va en parler un peu après. Donc c'est assez compliqué à gérer, il faut mettre beaucoup d'angles. En revanche, remarquez, la puissance est là, la voiture grimpe bien dans les rampes. Bon là j'ai un peu merdé le dérapage, du coup c'est ici que j'ai perdu quelques millièmes de secondes au passage. Mais rien de bien grave, je réaccélère plein gaz derrière et j'arrache le panneau en 33 et des poussières. Je vous montre le ralenti comme toujours juste après. Le saut est d'ailleurs de 89,9, donc c'est un bon saut quand même. Donc voilà, le saut en 33,9. Donc on a vraiment un bon chrono, c'est pas exceptionnel mais c'est un bon chrono. Je vous montre ça dans le tableau tout à l'heure, pas maintenant, on garde un peu suspense hein. Et on enchaîne immédiatement avec l'acceleration test, qui est là un peu moins concluant, c'est pas exceptionnel, mais bon, je vais attendre hein. Vu que la voiture par défaut, elle est pas des plus agréables. Là ouais, je la mets entièrement par défaut, je vous le montre hein. Voilà, véhicule totalement par défaut. Par défaut, c'est pas un monstre hein, non plus. Bon, fallait pas. J'en demandais pas trop, mais. Voilà, c'est pas. C'est un petit peu lent, ça accroche. Les vidéos sont longues, on va accélérer ça, parce que c'est un peu long. Tant que je me place. Donc voilà. Donc, l'épreuve d'accélération en 6 secondes 6. Voilà, pas dégueulasse. Mais en revanche, le 0 à 100 est en 4 secondes 2, donc c'est vraiment nul. Enfin, pour une supercar, je trouve ça nul. Maintenant, je l'améliore en version je vais à fond. Peut-être pas le comportement le meilleur, mais en tout cas, la voiture qui roule à fond. Pour vous montrer, ça donne quoi une fois bien boosté. Et là, vous allez voir qu'ensuite, c'est beaucoup, beaucoup plus concluant, même excellent, vous allez voir. Donc, bon, la voiture redescend. Ouais, c'est bon, elle est bien placée. Et c'est parti. Là, vous allez voir tout de suite, ça accélère très, très, très fort, beaucoup plus qu'avant. On a des très, très bonnes performances. On accélère encore ça, comme la dernière fois, je m'amuse un peu. Et voilà. Et donc voici donc l'épreuve en 5 secondes 4. On est juste devant la Mustang Boss 302 et les 0 à 100 en 2 secondes 5, donc soit 2 centièmes de mieux que la Boss 302. Et donc voici le classement final. Donc on est juste derrière la Corvette ZR1 qui est quand même meilleure, surtout au niveau du comportement où elle est bien meilleure et par défaut elle a la meilleure performance. Et elle est légèrement au-dessus de la Mustang 302 Boss. Donc ça vous de voir entre la Ford GT et la Ford Mustang 302 Boss. Ce que ça donne au niveau des références, parce qu'au fond, techniquement, il n'y a pas tant de différence que ça. Je vous laisse le petit replay, amusez-vous bien. Passons maintenant à l'optimisation conseillée du véhicule. Déjà bon, passons sur les
pneus slick dans l'utilisation générale, un nitro overboost conseillé, vous allez voir pourquoi, châssis allégé très fortement conseillé pour un véhicule plus vivace, un cadre aussi chemin, un kit anti-choc pour améliorer son comportement qui n'est pas mauvais, et une boîte courte pro essentielle, bien évidemment, une boîte courte pro c'est la base, hein, parce que sinon elle est lente, et la boîte courte pro lui donne beaucoup de fouet. Donc vraiment, j'insiste sur le kit anti-choc qui améliore le comportement et rend la voiture un peu plus résistante, c'est important, car sinon le drift est pas facile et j'ai tendance à éviter de drifter autant que possible avec la Ford GT parce qu'elle aime pas ça, simplement. Au final, cette voiture, cette Ford GT, les points positifs qu'on peut retenir, c'est déjà qu'on pilote une voiture de légende. Hein, une légende du 24 heures du Mans et des temps modernes tout de même. De plus, on a une puissance qui est disponible et au rendez-vous. On n'a pas de problème à ce niveau-là. La voiture en a dans le ventre, améliorée ou non. On sent que, bon, il y a bien plus de 500 chevaux sous le capot. Hein. De plus, ce comportement est assez simpliste pour une supercar. Et surtout très prévisible. Il n'y a pas de surprise, la voiture réagit et réagira toujours de la même façon. Et en général, elle est agréable et performante seulement une fois améliorée. Oui, parce que par défaut, on a un peu l'impression de pousser une grand-mère dans une carrosserie de supercar. Alors qu'une fois qu'on l'a améliorée, elle fait bien son job. Il faut l'améliorer. De plus, la vitesse de pointe n'est vraiment pas superbe. Même si moi, personnellement, j'ai mis une boîte. Je pillais tout le temps avec une boîte courte. En mettant une boîte longue, par exemple, c'est pas pour autant que les performances vont être incroyablement surprenantes. En tant que vitesse de pointe. Hein. La VMAX, c'est vraiment pas formidable pour une voiture de cette puissance et de sa catégorie. Un des gros défauts, en revanche, que j'ai pu retenir au niveau du comportement en soi de la voiture, c'est que le drift est pas du tout agréable. C'est-à-dire que ça faut déjà vouloir emmener la voiture en drift et ensuite faut réussir à le maintenir. C'est un drift vraiment brut, c'est pas fait pour vraiment. J'essaie de drifter au minimum et en fait c'est surtout quand la voiture décroche qu'on drift. Vous savez, quand on roule un peu vite dans un virage, la voiture décroche et c'est là qu'on drift. Mais sinon, le drift est tout ce qui est plus désagréable. Donc voilà, éviter autant que possible que drifter et aller plutôt en grip. Le grip là, elle fait très bien son job. Et autre défaut, c'est selon moi la boîte courte est totalement indispensable. Quel que soit votre choix au niveau des améliorations, la boîte courte est indispensable pour rendre la voiture efficace. Avec une boîte longue, c'est pas formidable. Et quand on... et une boîte, la boîte par défaut, bon bah voilà, elle est comme ça. Mais la boîte longue, faut au moins l'avoir en pro pour qu'elle soit rentable. Et sinon, bah, la boîte courte s'impose. La boîte courte pro, encore mieux. Hein. Comme ça, on conserve la vitesse de pointe. Mais voilà, boîte courte indispensable. Sinon, c'est. C'est Jeannette quoi, la voiture c'est mamie Jeannette, mais vraiment, je reste traîne, mais c'est une horreur. Donc voilà, boîte courte indispensable, et si vous optez pour ça, ça sera un petit bijou. Et donc selon moi, cette voiture s'adresse plutôt à toutes les personnes qui veulent profiter de performances de supercar tout en conservant un comportement qui permet de contrôler le véhicule en toute situation, et particulièrement en ville. Donc voilà, une fois amélioré, vous pourrez vous promener en ville avec une voiture qui en a beaucoup sous le capot. Bien voilà, c'est la fin de ce projet TNFS, l'épisode 10, dédié à cette Ford GT. Pour les prochains, nous passerons du côté européen, chercher les italiennes. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, signalez-moi les aspects positifs et négatifs que vous avez retenus. J'en tiendrai compte pour les futurs épisodes. Et puis bah, je remercie aussi les 600 abonnés de ma chaîne. J'ai pas été en effet. Donc voilà, grand merci à tous pour ceux qui me suivent depuis plusieurs mois ou qui me suivent depuis quelques semaines. Ça me fait très chaud au cœur. Et je vous dis à plus pour un futur projet NFS, que vous me suiviez sur YouTube ou sur NFS Mania. Bye tout le monde. Yeah.